Commandant. Commandant, s'il vous plaît, commandant. Non, le souvenir d'un bon sportif. Je pense que nous allons l'accompagner avec le mérite qu'il avait. C'était le jeune espoir de notre football. Je pense que nous avons perdu un très bon joueur et vous voyez que la nation tout entière est là présente pour l'accueillir. Et je pense que nous allons remercier tous le premier sportif camerounais qui a voulu bien donner à cet événement la solennité officielle. Non, de très bons souvenirs. C'est ces souvenirs-là que j'ai envie de garder d'un footballeur extrêmement talentueux, un avant-centre qui avait toutes les qualités qu'on pouvait vouloir dans un attaquant, mais aussi de l'homme. Il avait cette qualité-là que quel que soit ce qu'on avait contre lui, quand on était fâché contre lui, il avait cette humilité de toujours venir demander pardon. Ce que je pourrais dire, c'est que les liens, les rapports profonds entre l'Algérie et le Cameroun continueront au-delà de ce tragique incident et regrettable incident. Il faut dire que c'est tout le Cameroun qui est endeuillé. Et nous tous, nous sommes chagrinés. Je voudrais ici réitérer aussi les remerciements de notre pays au gouvernement de l'Algérie pour avoir pris toutes les dispositions en relation avec notre ambassadeur à Alger pour que le corps arrive aujourd'hui ici au Cameroun.